Donc nous sommes le jeudi 20 mai à la Villa Gaby, les Beaux-Arts de Marseille à la Villa Gaby. Je vais faire comme dans les chansons traditionnelles. La section, l'option design des Beaux-Arts de Marseille à la Villa Gaby. Et encore une couche, l'atelier espace et public de l'option design des Beaux-Arts de Marseille à la Villa Gaby. Je pèse mes mots, je pense que c'est quelque chose qui est important et il y a quelques mois, on y pensait à peine. C'est une date importante pour nous, donc, pour deux raisons. Parce qu'on va vous montrer, on va vous raconter rapidement cette histoire de concours Minimaus et une histoire collective avec les étudiants. Ça, c'est pour la première chose. Et puis la deuxième chose, que je développerai en seconde partie, c'est parce que nous avons le privilège, la chance, l'honneur, d'accueillir Jacques Rougerie en deuxième partie. Je sais que vous êtes venu pour l'écouter lui, donc je vais faire assez court à ce niveau-là. Je ne pourrai pas remercier tout le monde, je ne pourrai pas citer tout le monde, parce que c'est un travail d'équipe assez long. Je voudrais juste citer Ronan Kerdreux, qui est juste là, qui est mon alter ego enseignant à l'École d'art et design de Marseille et qui anime l'atelier espace et public. Donc nous avons, avec d'autres collègues, mais voilà, les deux chevilles ouvrières sont ici. Il y a également Pierre Houdard qui est là, le directeur des Beaux-Arts de Marseille et de l'INSEAM. Et puis il y a d'autres personnes, évidemment, petit à petit, comme ça, les noms seront émaillés. Vous avez Valérie Langlais qui vous a accueilli, que certains ont eu au téléphone pour vous inscrire, et puis plein d'autres. Et évidemment, tous les étudiants de l'école. Alors, je vous raconte rapidement l'histoire de Minimaus. Minimaus, c'est un concours qui est organisé par la Cité du patrimoine et de l'architecture. Je crois que je peux enlever mon masque, en fait, moi. Je vais profiter de cette chance. Donc, c'est un concours qui est initié par la Cité du patrimoine et de l'architecture en la personne de Fiona Midoz. C'est un concours qui a lieu depuis 15 ou 16 ans, je crois. C'est la 8e édition. Et cette année, l'idée était de faire travailler les étudiants de plein d'écoles, de plein de lieux de recherche, architecture, design, art, sur l'aquabane. L'aquabane, c'était l'idée de construire des cabanes pour relier d'une rive à l'autre, pour aller ailleurs, et dans l'idée, évidemment, de traiter les questions de réchauffement climatique, de montée des eaux, enfin, en tout cas, de proposer une réponse ou un engagement sur ces questions qui sont très importantes pour tout le monde. Nous avons donc démarré l'année universitaire 2020 avec ce concours, et puis, à peine on avait commencé, on nous a dit confinement, donc les étudiants rentrent chez eux, tout disparaît, les ateliers ferment, etc. Et malgré tout, nous avons décidé de maintenir ce travail-là à distance, en visio, en organisant des workshops, en reformulant tout ça pour que ce soit gérable avec les outils dont les étudiants disposaient. Donc nous avons travaillé par exemple avec le contenu de leur frigo, plutôt que de leur proposer des imprimantes 3D et du matériel auquel ils n'avaient plus accès. Ils ont travaillé avec des fruits, des légumes, des pâtes, des biscuits apéritifs et autres pendant une semaine relativement festif. Et en fait, ça leur a tout ça en visio, évidemment. Ça a donné au groupe une espèce de solidité, comme ça, une envie de travailler tous ensemble au moment où tout avait un peu l'impression de se fermer et de se ralentir. Le workshop et le concours a été au contraire un lieu d'énergie. Et ils ont travaillé d'arrache-pied, je ne vois pas les plus... ils sont par là, mais ils ont énormément travaillé et ils ont participé, ils ont rendu, l'École des Beaux-Arts de Marseille a rendu 17 dossiers à la Cité du patrimoine et de l'architecture. La Cité du patrimoine et de l'architecture, sur un concours comme ça, elle en reçoit 340. Cette année, en tout cas, c'était 340. On était déjà fiers d'en envoyer 17. Ça a emmené une quarantaine d'étudiants, puisqu'il y avait des étudiants qui ont travaillé en groupe. Et le contenu du workshop, c'est ce que je suis en train de vous voir défiler derrière, comme on n'avait pas la possibilité de le montrer en vrai, Ronan Kerdreux a réalisé une exposition virtuelle, dont vous voyez défiler une visite un peu rapide. On vous donnera l'adresse, vous pourrez aller vous promener dans cette exposition virtuelle, elle existe vraiment, elle est accessible de plein d'endroits, il suffit d'avoir un ordinateur et une bonne connexion. Donc voilà pour le concours Minimaus. Janvier, les dossiers sont envoyés. Le jury, un jury prestigieux, je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, dont Jacques Rougerie.
ici présent, et puis plein d'autres, vous retrouverez les informations dans le dossier de presse. 342 dossiers, il y a une première phase de sélection, puis une deuxième phase de sélection, et à la fin, il y a 6 lauréats. Dans les lauréats, il y a des gens de l'école d'archi de Clermont-Ferrand, de Paris-Malaquais, des Arts Déco de Paris, Olivier de Serres, l'école d'architecture de Paris-Belleville, et les Beaux-Arts de Marseille, avec le projet Le Radiolaire, que vous avez vu à l'entrée de la salle. Donc on est très content d'être parmi les 6 premiers. Et puis la surprise ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième projet, Highland, qui est donc exposé ici, qui est hors concours pour plein de raisons, mais qui reçoit quand même une mention spéciale du jury. Et puis la surprise ne s'arrête pas là. Il y a également un troisième projet, celui d'Elodie Adorson, qui s'appelle Wait for the Wake or Wake, qui est dans la petite salle ici, qui lui reçoit aussi une mention coup de cœur du jury. Donc voilà, à partir de là, nous décidons de dire il faut montrer cette expérience-là et ces travaux à l'école, à Marseille et puis à des tas d'interlocuteurs. C'est là que nous rencontrons Dario Mougel et la Villa Gabi il y a quelque temps et où on décide effectivement dans ce lieu-là de montrer tout ce travail. Pour la petite histoire, le jour où on est venu, il y avait des dauphins qui gambadaient, je ne sais pas si on dit comme ça pour les dauphins. Mais il y avait des dauphins, voilà, pas très loin, à la surprise de tout le monde. Et on s'est dit, en fait, on se l'est dit un tout petit peu avant, et si on invitait Jacques Rougerie ? On a senti que le dauphin était une sorte de déclencheur, là, une bonne étoile qui ne pouvait que fonctionner. Donc voilà, on décide de monter cette exposition et nous y sommes. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, maintenant, j'en viens à notre invité. J'ai un petit peu d'émotion, mais vous avez vu, j'arrive à la contrôler maintenant par rapport aux premiers appels téléphoniques. Merci beaucoup, Monsieur Rougerie. Merci beaucoup parce que les échanges ont été super avec vous, et très constructifs, très fluides, très tranquilles. Je remercie aussi Joël Monette de la Fondation Rougerie. Les documents ont circulé comme ça, on a le droit de vous filmer. C'est un vrai bonheur. Je pense que ça fait partie aussi dans votre travail de ce qui l'a rendu accessible pour beaucoup et qui fait que beaucoup de gens vous suivent depuis un long moment. C'est un travail qui est profond, on le suit depuis très longtemps, mais en fait vous avez commencé très jeune et très fort, donc vous avez marqué, je pense, ce territoire-là de manière exceptionnelle. La deuxième chose, mais je ne dévoile pas après, vous allez pouvoir faire tout le reste, c'est que vous avez, j'ai relu un peu, j'ai dû réviser, dès le début vous mêlez très fortement l'architecture, l'innovation, le design, l'art, la poésie, la danse. Et ça, je trouve que c'était peut-être qu'au début, c'était peut-être moins évident qu'aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez toujours gardé ça. Et ça nous parle bien, je pense que ça parle bien à l'ensemble des étudiants qui sont ici. Et puis, on découvre aussi, quand on se replonge même dans vos premiers écrits, où dès 1974, vous parlez de cultiver des algues, et de manière ancrée, avec des fermes, etc. Et c'était en 1974. On est content et très ému de vous accueillir parce que quand on vous accueille, il y a plein de gens avec vous qui viennent. Il y a Jules Verne. On y a ajouté un philosophe local dont certains vont repérer. On y a rajouté Fabrice Peresque pour les clins d'œil vers la Lune. On pourra y revenir. Évidemment, il y a le commandant Cousteau qui est un peu avec vous. Il y a Picard, la famille Picard. Il y a Théodore Monod, enfin, je ne vais pas tous les citer, j'ai même vu Jacques Séguéla à un moment, je n'ai pas tout compris, mais voilà, il y a une liste comme ça importante. Alors vous avez vu, c'est des écrivains, des poètes, des visionnaires, parfois des gens qui sont dans l'exploration, qui sont des scientifiques, généralement tournés vers l'eau, dans ce qu'on vient de citer, mais il y a aussi tout le travail avec l'espace, avec donc Claudie Aigneret. Et à ce titre-là, je voulais vous dire que nous avons posté hier un petit message à destination de Thomas Pesquet et de l'ISS, qui est passé très tôt ce matin au nord de l'Europe. On le guette là, on aurait imaginé, mais non, il n'est pas tout à fait au bon endroit, mais en tout cas, il est passé très tôt au nord de l'Europe et on lui a envoyé un petit message en disant qu'on se réunissait aujourd'hui tous autour de vous, autour de ces jeunes générations qui vont parler d'innovation et tout ça. Et je termine juste là-dessus parce que je crois que je n'ai jamais fait. Je crois que je n'ai jamais accueilli d'académiciens. Donc, ben oui, mais si, c'est quand même. J'avais jamais fait. Donc,
Donc voilà, Jacques Rougerie est membre de l'Académie des Beaux-Arts et vous avez remplacé, enfin vous avez succédé au fauteuil de André Wojcinski, qui lui-même avait succédé au fauteuil de Jacques Coël, qui sont des personnages quand même dans la région, alors Wojcinski un peu moins, mais quand même avec la Cité radieuse pas très loin. Mais Jacques Coël a aussi une histoire locale importante. J'en ai fini, je vous laisse la parole avec beaucoup de bonheur et de plaisir, et moi je vais passer aux manettes en espérant que tout va bien marcher, mais tout va bien marcher. Alors, c'est celui-ci. Voilà, bonjour à tous. Merci pour ces mots qui me touchent évidemment, et merci à vous tous et surtout les professeurs. Et dans cet accueil d'un lieu quand même prestigieux qui me fait rêver. Et en effet, j'ai besoin toujours de voir la mer parce que je suis un mammifère marin. Vous allez comprendre très vite. Et quand je sors de l'eau, étant mammifère marin, mon souffle s'essouffle. Et très vite, j'ai besoin d'y retourner. Voilà, toute ma vie, ça a été ma passion. Alors, je tiens, avant de parler de moi et de mes cabanes sous l'eau, que je voulais me faire, que je continue à faire, je voulais vous remercier avec beaucoup de sincérité pour votre travail. On a été à la Cité de l'Architecture très impressionnés par votre engagement, la diversité d'expression des sujets, et vraiment bravo. Bravo, continuez dans ce sens-là. Bien sûr, il y a la problématique de la montée du niveau des océans. Ne tombons pas dans le catastrophisme, nous avons le temps de trouver des solutions. Mais comme disait Napoléon, dont on parlait il y a quelques jours, puisque c'était le 200e anniversaire, allons doucement, nous sommes pressés. Alors, on parlait d'Aquaban. Et je vous disais que moi, justement, comme vous, eh ben, j'aime bien faire des cabanes, vous peut-être dans les arbres, vous peut-être sur l'eau. Eh ben, moi, c'est, comment on pourrait dire c'est des cabanes sous l'eau, comment on pourrait dire ça c'est aqua, non, je, non, c'est underwater, oui, underwater, c'est voilà, underwater lab ou underwater cabane. Donc voilà par exemple ma petite cabane que je véhicule depuis tant d'années. Alors tant d'années, moi j'ai bloqué les compteurs à 20 ans. Comme ça, c'est clair, c'est net. Et je vous conseille, n'allez pas trop loin, bloquez le plus vite possible les compteurs, c'est-à-dire ayez des rêves, c'est l'essentiel dans la vie. Quels que soient les rêves, petits, grands, l'essentiel, c'est de les construire. Ne vous laissez jamais déstabiliser quand vous avez des rêves, continuez vos rêves. Et moi, mon rêve, c'était cette cabane. Voilà, cette cabane et d'autres que vous allez voir. Et on a fait un certain nombre d'expériences ici, à Marseille. J'ai eu la chance donc de côtoyer des gens merveilleux à Marseille, et notamment le commandant Cousteau, quand il a mis sa première maison sous-marine à Marseille, personne ne sait ça. Voilà, personne ne sait ça, que la première maison sous-marine au monde, au Frioul. Voilà, et on va voir toute la suite, après avec le Henri Germain Delos, ça vous dit peut-être rien les jeunes, mais vous, ça vous dit évidemment Henri Germain, la Comex. Voilà, donc la photo suivante. Je voudrais vous entraîner, vous transmettre un petit peu ces passions, ces visions de la mer, de l'espace qui sont très liées. Et moi, depuis l'origine, la mer m'a toujours et l'espace fasciné. C'est l'océan qui m'a empreint donc, de son champ des bagues, vous voyez, pour mieux donner corps à ces rêves et passions que j'ai depuis toujours. Photo suivante. Voilà. Et puis, hop, voilà. Et puis, évidemment, les premières lectures, tu en parlais. Donc, c'est Jules Verne, le capitaine Nemo. Jules Verne qui rêvait d'espace, qui rêvait du monde sous-marin. Et donc, j'ai eu la chance de naître au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire, voilà, c'était la grande aventure humaine de l'espace avec Gagarine. Les premières maisons sous-marines avec Cousteau en 1961. Cette maison sous-marine, elle a été ici à Marseille, au Frioul, à Pomègue. Voilà, donc ça m'a donné ce goût de l'exploration, d'aller donc aller voir sous la mer qu'est-ce que ça représentait pour le futur de l'humanité, pour le futur des hommes. Alors après,
Voilà, donc deux grandes aventures qui s'ouvrent à l'humanité et qui vont avoir des répercussions même sur notre mode de vie. C'est le monde de l'espace, le monde sous-marin qui entraîne des nouvelles technologies, des tas de connaissances, de sciences, d'art, vous allez voir au fur et à mesure. Donc ces deux mondes, j'ai eu la chance, grâce aux astronautes, Jean-Luc Chrétien entre autres, et Claudie Aignoret, tu parlais de Claudie tout à l'heure, donc de participer à un certain nombre d'expériences comme vous allez le voir. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux mondes. Photo suivante. Mais avant de vous parler de ces deux mondes, il est important de rappeler que le rapport à l'eau existe depuis l'éternité, depuis l'origine des temps. Toutes les civilisations à travers les siècles ont eu un rapport à l'eau. On ne peut pas vivre sans l'eau. Les marins ont parcouru les mers du monde de continent en continent à la découverte des civilisations, donc de ces échanges. Mais toutes les villes, les capitales, les cités, quasiment toutes à travers le monde, ont été construites au bord des fleuves, au bord des lacs, au bord de la mer et même sur la mer. Voilà quelques exemples rapidement. À gauche, en haut, c'est la cité Lacus de Gambier en Afrique. C'est une cité Lacus qui existe depuis plus de 200 ans, qui a eu, il y a à peine un siècle, plus de 100 000 habitants. J'ai eu la chance d'aller là-bas et c'était extraordinaire. Je me rappellerai toujours une anecdote. Le matin, je me suis réveillé dans une de ces cases et juste, je voyais sur le ponton des enfants passer avec leur cartable sur la tête, en nageant bien sûr, pas en pirogue. C'était extraordinaire de les voir. Voilà. Et vous avez aussi les Ouros, ainsi de suite, les peuples des Badjao. Il y a un peuple qui vit en autarcie sur l'eau. Il y a plus de 10 millions de personnes entre les Philippines, l'Indonésie, qui vivent complètement en osmose avec le monde aquatique. Et puis vous avez évidemment Amsterdam, les nouveaux quartiers d'Amsterdam, vous voyez sur l'eau. Et regardez ces enfants, leur jardin, c'est l'eau. Ils jouent directement sur l'eau. Et évidemment, la plus belle des cités marines, celle qui me fait rêver, qui me fascine, donc je suis complètement amoureux, c'est Venise. Photo suivante. Donc voilà, donc, quand on... C'est vrai que on ne sait pas pourquoi les hommes et les femmes, on est tous attirés par la mer, d'une façon ou d'une autre, fascinés. Alors certains, on le craint parce que ça n'a pas toujours été simple à travers les siècles. Un marin dans l'eau, c'était un marin qui était mort. Maintenant, ça a complètement changé, ce regard. Mais il y avait eu toujours cette fascination. Et il faut savoir qu'il y a à peine 100 ans, on est à peine 2 milliards, il y avait 20% seulement, c'est déjà beaucoup, de personnes qui vivaient le long du littoral. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Savez-vous combien il y a de personnes qui vivent près du littoral ? 50%. C'est colossal à travers le monde. Et en 2050, pour vous, mais pour moi aussi, puisque j'ai bloqué les compteurs. Donc en 2050, il va y avoir 10 milliards. 10 milliards. 75% vivront près du littoral. Donc les architectes, les urbanistes, les designers, les artistes et autres, vous avez un travail fabuleux à faire et c'est pour ça qu'il faut que vous accompagniez justement ces grands enjeux. Et en plus, vous avez la problématique, bien entendu, on parlait tout à l'heure, de la montée du niveau des océans. Alors si on regarde depuis l'espace, la Terre de nuit, vous voyez cette densité très forte que le littoral, et il faut savoir que le littoral, c'est la frange côtière, enfin c'est la frange la plus sensible des écosystèmes, puisque vous avez toutes les nurseries, enfin la plupart des animaux sur Terre naissent à partir des zones littorales. Voilà, photo suivante, donc on va peut-être... Alors combien de temps j'ai, parce que je ne veux pas non plus... C'est vrai ? Ouh là là, attention. C'est vrai, vous êtes là jusqu'à minuit, donc ça va, dans ce beau lieu. Alors, voilà, donc c'est fascinant de voir la Terre, imaginez les astronautes qui ont vu cette Terre toute bleue, essentiellement bleue, depuis l'espace. Donc,
C'est un véritable vaisseau spatial quand vous regardez. La Terre, c'est un vaisseau spatial qui sont les deux tiers, enfin les deux tiers de son énergie vient justement des océans. Et voilà, donc la Terre, c'est un gigantesque, enfin l'océan, pardon, mais 71% de la surface du globe, 71% de la surface du globe, c'est l'océan. La couche d'eau moyenne, c'est 3700 mètres. 3700 mètres sur 71% de la surface du globe. On ne connaît rien, absolument rien de ce que représente l'univers subaquatique. Quasiment rien. On en est au balbutiement, si j'ose dire, à l'homme de Cro-Magnon. Donc c'est un gigantesque réservoir précieux d'où jailliront, si on le fait pour le bien commun de l'humanité, les énergies nouvelles. La nourriture, la pharmacologie du futur et les biotechnologies. Voilà, pour une blue economy, une blue society, mais d'une autre façon, en exploration et en exploitation. Alors, il y a de grands enjeux. Photo suivante. Alors voilà, donc, ces grands enjeux, eh ben, je me suis passionné pour ces grands enjeux, cette grande aventure humaine. Et comme j'ai de cesse, que je vous ai dit, ce n'est pas une blague, je suis un mammifère marin, donc j'ai besoin d'être sur l'eau constamment. Et donc, dès le départ, je me suis acheté une carcasse de péniche et puis je l'ai mis sur la Seine, enfin je l'ai laissé sur la Seine. Et donc avec toute une équipe d'architectes, d'ingénieurs, là il n'y a qu'une partie, vous voyez l'intérieur de nos ateliers, de l'endroit où on crée justement tout ce que vous allez voir maintenant. Et même j'ai poussé le plaisir d'avoir ma voiture qui est amphibie. Donc l'amphibie, elle va aussi bien sur Terre que sur... C'est pas moi qui l'ai construite. Il y en a eu 3500. Et au cœur de cette péniche, donc de l'atelier, j'ai fait un bassin dans lequel j'écoute de la musique sous l'eau. Et en plus, je me suis fait une petite maison sous l'eau, vous voyez. Et je fais tous les tests en essai de mes structures sous-marines, de nos structures sous-marines. Alors maintenant, comment, sur quelle base on s'est lancé pour faire cette architecture, photo suivante. Voilà, donc pour moi, comment créer sur l'eau ou sous l'eau, surtout sous l'eau? Les lois sont complètement différentes. Vous avez la poussée d'Archimède, les pressions. Vous avez une troisième dimension que vous n'avez pas sur Terre. Vous avez la ligne d'horizon, les pieds bien ancrés. Sous l'eau, si vous volez comme un oiseau, vous êtes vraiment dans une dimension incroyable, d'où ce rapport justement avec l'espace. Donc il fallait penser autrement. Imaginez autrement, partir sur d'autres paradigmes différents. Donc pour moi, l'évidence qui m'est apparue, c'est Léonard de Vinci. Fasciné par le génie de cet homme incroyable qui disait à ses étudiants, allez prendre vos leçons, il y a 500 ans, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Waouh ! Depuis l'origine du monde, la nature, il faut savoir, et vous le savez, dessine ce qu'il y a de mieux, les plus belles courbes. Fait les meilleurs matériaux. Maintenant, on découvre que les matériaux nouveaux peuvent venir de la nature. Vous voyez ? Et donc, eh ben, je me suis inspiré du génie de la nature, bien sûr, et de Léonard de Vinci. Et c'est mon premier engin que j'ai fait à partir de l'observation de l'araignée. Photo suivante. Alors là, je ne vous dirai pas en quelle année j'ai fait ça, parce que vous allez rigoler, vous allez dire, mais c'est un vieux machin, hein. Mais c'est pas. Faites attention, dans la tête, c'est d'être vieux. Alors, pour être plus sérieux, voilà. Donc, j'ai décliné depuis donc, de nombreuses années un certain nombre de projets, de programmes. Et toujours, comme vous pouvez voir, l'observation de la nature, cette similitude, cette inspiration que crée la nature. Ça ne veut pas dire qu'on singe la nature. On ne peut pas du Walt Disney, bien sûr. Mais on tire des lignes de force, d'une logique par rapport à un animal par rapport à une situation. Voilà. Alors, les après, photo suivante. Donc voilà mes premiers dessins. Alors là, l'informatique, je n'ose pas dire, n'existait quasiment pas. Hein? Et donc, je m'amusais comme ça, nuit et jour quasiment, y compris les week-ends, à regarder les animaux et à faire une multitude de projets comme ça, de rêves, parce que j'étais persuadé que ça allait arriver. Voilà, j'avais cette intuition que demain,
Le rapport était en train de naître, c'est-à-dire la voile, le plaisir d'aller sur l'eau, de faire de la voile, et puis hop, la plongée est arrivée, hop, mais c'est récent tout ça. Le windsurf, et ainsi de suite. Donc tout ça, vous avez un rapport à l'eau qui n'a plus rien à voir avec ma génération. Vous avez un rapport sensoriel avec l'eau. C'est fondamental. Moi, quand j'avais 20 ans, je suis breton, hein. Donc faites attention, j'ai un mauvais caractère. Donc, breton, je peux vous dire qu'au mois de février, il n'y avait pas un mec qui était sur l'eau, qui était un peu sensé. Aujourd'hui, vous allez en Bretagne, la mer est un peu forte, vous avez plein de jeunes, ils ne sont pas kamikazes, ils font du windsurf. Donc ça veut dire que le rapport à la mer a changé. Et Cousteau nous a ouvert ce rapport à la mer à travers ces magnifiques aventures du commandant Cousteau. Voilà, bon, donc voilà l'ensemble de mes rêves. Alors allons-y. Alors ça, c'est une ferme sous-marine que j'avais imaginée, puis vous voyez successivement un hôtel sous l'eau, voilà un musée ailleurs, puis un centre de recherche, puis une bulle, une autre bulle pour aller sous l'eau, un centre encore industriel. Voilà, ça c'était à Port-Cros, dans une faille. Je voulais déboucher directement sous l'eau. Ça, c'est à San Francisco, le musée de la mer flottant. Ça, c'était une maison flottante, telle une physalie qui pouvait se déplacer avec les vents, donc une structure gonflable. Un engin pour aller à 5000 mètres de profondeur. Voilà. Bon, on va passer. Photo suivante. Voilà, vous avez vu qu'à chaque fois, il y a un rapport sur la bio-inspiration. Et donc là, on a essayé d'aller plus loin. J'ai eu la chance d'aller, grâce à un certain nombre de contacts que j'avais, la NASA entraînait les astronautes sous la mer dans des programmes d'habitat sous la mer, Tectail, Hydrolab et tout. Et donc, ils m'avaient demandé d'imaginer un village sous la mer, aussi bien pour les aquanautes, les mériens, que pour les astronautes. Voilà, donc le premier village sous la mer, au large des îles Vierges, avec tout le centre d'entraînement au centre et puis les zones périphériques pour 250 personnes, océanographes et chercheurs et en même temps astronautes. Photo suivante. Vous voyez, c'est suspendu entre deux eaux. Vous voyez, nous jouons sur la troisième dimension, c'est-à-dire ne pas reposer au fond. Si on refait des cabanes terrestres, c'est triste, c'est dommage. On ne va pas faire des toits de chaume sous la mer. C'est impensable. Donc, il faut vraiment avoir une autre logique. Il faut déclencher une autre logique. Voilà, donc, ce rêve, je vous parle beaucoup de rêves parce que je suis un grand rêveur et je le revendique plus que jamais, mais je suis un rêveur extrêmement pragmatique parce que le rêve pour le rêve ne m'intéresse pas. Quelle que soit l'échelle du rêve, il faut le réaliser. Il faut tout faire dans sa vie pour le réaliser. C'est fondamental. C'est ce qui vous fait vivre. C'est ce qui fait le bonheur de la vie. Et des autres, ceux qui vous accompagnent. Alors ça, c'est... Eh bien, non seulement je l'ai imaginé, parce que vous pensez bien que tous ces dessins, j'ai dit, mais il faut arriver à réaliser ce parcours. Et donc, je l'ai dessiné, je l'ai construit et je l'ai expérimenté. Voilà, cette maison sous-marine, c'est Galatée. Comme vous voyez, là, elle est suspendue entre deux eaux, là-bas, la coupe, pour quatre plongeurs. Elle est au Japon, hein. Maintenant, elle a été construite en France. Et donc, ce ballast ici se laisse, repose au fond de la mer. Pourquoi ? Parce que comme une ancre, pour avoir le minimum d'impact sur le monde sous-marin. Après, c'est les ballasts, on dégonfle les ballasts, poussés d'Archimède. Donc, vous positionnez la maison entre deux eaux et vous sortez autant de fois que vous voulez, par jour. Elle est pressurisée, bien sûr. On équilibre la pression interne par rapport à la pression externe. Le dôme, ce qui ne se faisait pas à l'époque et toujours pas d'ailleurs, ce qui est dommage, un dôme de 2,20 m de diamètre, parce que je voulais être complètement sur un balcon ouvert sur le monde sous-marin. Photo suivante. Alors après Galatée, et ben, une autre aventure, Hippocampe. Hippocampe 1 et 2. Et ben, Hippocampe 1, nous l'avons immergé avec Henri-Germain Delos ici, à Marseille. Et quand j'en parle aux Marseillais, alors ça me rend terriblement triste et un peu furieux de penser que Marseille est la capitale de la plongée sous-marine au monde, que partout dans le monde, j'ai cette chance de parcourir le monde, je peux vous dire que partout, les gens
qui s'intéressent à la mer connaissent Marseille. Voilà. Donc on l'a immergé au large de Frioul. J'ai voulu que ce soit pour le symbole, parce que j'aime bien les symboles, exactement à l'endroit où Cousteau avait immergé sa maison sous-marine Diogène. Voilà. Alors, comme il y a toujours des belles aventures, de belles rencontres, et de beaux personnages comme Henri-Germain Delauze, qui m'a permis de bâtir ce nouveau rêve, et donc avec Bernard Gardette, qui est le physiologiste de la Comex, et ben parce que faire une maison comme ça, sous l'eau, faire vivre, c'était une expérience en novembre et décembre, et c'était pour faire des tests physiologiques, parce qu'à l'époque, j'aimais bien faire les tests moi-même, donc oser aller sous l'eau pour voir un peu comment ça se passe, pour imaginer aller plus loin dans ces recherches d'habitat sous la mer. Et pour nous faire vivre tous les deux, il fallait 50 personnes, un dispositif. C'est, l'espace, c'est pareil. Il faut un dispositif énorme. Et donc, pour les remercier, comme c'était, on arrivait à Noël, j'ai dit à Henri Germain, j'ai dit, et si on offrait un Noël sous la mer aux enfants de tes ingénieurs et tout. Et donc, on a fait le premier Noël sous la mer, où ça? À Marseille, au monde. On a eu toutes les télés, NHK, partout, CNN. Et ces enfants-là, qui sont des Marseillais, qui ont un certain âge maintenant, parce que vous voyez, j'avais... heureusement, les cheveux sont mouillés, mais sans ça, j'avais... Non. Mais bon, j'ai pas trop changé, non, non. Ah, merci. Même si vous êtes focus, c'est pas grave, je l'accepte. Voilà, donc, on avait fait remonter, parce que le même principe, on avait fait remonter la maison à 6 mètres seulement de profondeur pour des questions de sécurité. Il n'était pas question de prendre le moindre risque. Et ces enfants qui savaient plonger, mais des enfants de 6 à 12 ans, donc ils sont venus chercher leurs cadeaux dans cette maison sous-marine et surtout partager le repas de Noël. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils s'en souviennent, c'est le plus beau Noël de leur vie et aussi le mien. Photo suivante. Alors voilà, donc on a fait d'autres expériences d'habitat sous la mer. Ça, c'est Océan Observer. Alors, une expérience là qui s'est très, très, très mal terminée. Donc, on était parti là aussi à deux pour une dérive dans l'océan Indien. Et à une période où il ne devait pas y avoir de cyclone et changement climatique, il y a eu un cyclone. Le câble s'est rompu puisqu'il y avait un flotteur en surface. Le câble s'est rompu. Heureusement, on est sorti juste à temps. La maison a coulé à 5000 mètres de profondeur. Donc, photo suivante. Alors ça, c'était beaucoup plus facile. Voilà, les fameuses cabanes sous l'eau, j'en ai fait un certain nombre. Donc les aquabulles. Les aquabulles, vous voyez toujours cette volonté de suspendre au-dessus de l'eau en trois dimensions. Vous voyez, donc elles servent pour les plongeurs, même pour des clubs de plongée ou l'archéologie sous-marine ou l'observation de la biodiversité. Voilà. Et puis quand j'ai un petit anniversaire pour arriver à 18-19 ans, donc on m'amène une bouteille de champagne sous l'eau. Ça devait être mes 20 ans peut-être, non, je ne sais plus. Bon, enfin bref, donc voilà. Donc cette bulle, elle est à Marseille d'ailleurs. Et nous allons faire une nouvelle aquabulle qui devait être à cause du coronavirus, expérimentée à Monaco, parce qu'on n'a plus le droit à Marseille. On n'a plus le droit. Bon, c'est comme ça, la juridiction ne le permet pas. Donc on va le faire à Monaco. Voilà, photo suivante. Alors voilà, donc différentes expériences, je vous parlais, qu'on mène avec les astronautes. Là, c'est un équipage d'astronautes. Thomas Pesquet fait ses entraînements sous l'eau dans cet habitat sous-marin qui est aux États-Unis, qui est Aquarius, dans les programmes NEMO avec Bill Todd, qui est le responsable de la NASA, avec qui on fait, vous voyez, des similitudes. Là, c'est comme si on était sur la Lune, donc... On retrouve un petit peu toute cette ergonomie, ce déplacement du corps, la façon de se déplacer sur le sol lunaire ou alors carrément dans la troisième dimension du monde sous-marin. Alors on continue à l'heure actuelle de faire ces expériences puisque si je n'avais pas chopé le coronavirus, eh ben normalement en septembre, je devais faire une expérience et donc malheureusement cette année, je ne le ferai pas, mais l'année prochaine, je ferai l'expérience. Photo suivante. Donc voilà. Donc avec les astronautes, voilà les Aquarius, donc où on fait Bill Todd, moi-même lors d'une expérience, une autre expérience dans un autre habitat sous-marin. J'étais un peu plus jeune, c'est vrai. Et donc c'est Jean-Loup Chrétien qui est le premier astronaute
C'est lui qui pensait, c'est lui qui m'a amené vraiment dans ce monde chez les Russes, puisque ça, c'est Volodya Titov, le premier homme qui a vécu un an dans l'espace, qui est un excellent plongeur, un redoutable plongeur qui adore le monde sous-marin. Et il m'avait fait le défi de faire 6 mois et voire un an sous la mer avec lui. Ce que j'étais capable à l'époque peut-être de faire, puisque j'ai fait le record du monde avec Mike Presley. On a fait donc 69 jours sous la mer et malheureusement on n'a pas pu monter le programme. Les Américains et les Russes, ça ne marche pas toujours bien. Donc on n'a pas pu monter le programme aux États-Unis. Voilà. Et lors d'une expérience, toujours, les Américains ont considéré d'habitat que j'étais un bon French cook. Parce que j'en avais marre de manger leurs petits trucs lyophilisés. Voilà. Et puis, alors quand Jean-Louis Chrétien est parti dans l'espace, donc la troisième fois et la deuxième fois aussi, eh ben, on a fait une liaison. Eh ben, on parlait tout à l'heure que Thomas était là-haut. C'est dommage que vous ne l'ayez pas dit parce que c'est beaucoup plus facile qu'on le pense maintenant d'être en liaison avec eux qu'à l'époque où il fallait une autorisation militaire et tout. Voilà, donc on a fait une autre première mondiale. On est les premiers avec Jean-Loup, lui étant dans l'espace et moi sous la mer. Première liaison entre deux hommes dans ces nouveaux univers. Photo suivante, rapidement. Voilà, alors, je parlais de gastronomie, d'art. Alors, il est très important d'accompagner ces grandes aventures humaines à travers tout votre monde. Et c'est là que je voulais aussi en venir. On a besoin de vous. On a besoin de vous parce que les Superman des années 60-70, il faut reconnaître que c'était un peu fort d'aller là-haut, dans l'espace ou dans les maisons sous-marines. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Il n'y a qu'à voir... ce que fait Thomas Pesquet à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus facile que du temps d'Apollo, vous imaginez bien. Donc, on veut aller de plus en plus longtemps, de plus en plus longtemps dans l'espace comme dans le monde sous-marin. C'est ça qui est passionnant. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est de vivre sous l'eau sur des longues durées, de vraiment, vous dormez sous l'eau, c'est incroyable de bonheur que c'est après travailler évidemment sous l'eau. De sortir de sa maison sous-marine, de se balader autour, c'est fabuleux, mais on a besoin d'autre chose. On a un travail à faire, mais on a besoin de tout un aspect artistique. Et j'ai la chance, par exemple, on faisait des concerts sous-marins, parce que le son passe d'une façon merveilleuse sous l'eau à travers le système osseux. Donc, on a formé, à une époque, Michel Rodolfi, qui habite Nice. On a fait d'ailleurs 2 concerts sous-marins à Marseille qui nous a valu quelques petits problèmes parce qu'il fallait des autorisations. Et comme je vois que les autorisations n'arrivaient pas, j'ai été un peu audacieux. J'ai un peu bousculé, quoi. Et donc, hop, on a fait sous l'eau. Heureusement, Marc Pietri, j'ai appelé mon copain Marc et j'ai dit on va faire ça devant chez toi, comme ça on va nous foutre la paix. Vous ne le dites pas, hein. Non, vous pouvez le dire, c'est connu. Et après, on l'a fait au Frioul, voilà. Donc après, la peinture sous l'eau, la sculpture sous l'eau, la chorégraphie, le mouvement du corps, c'est très important, comment déplacer le corps sous l'eau. Vous ne percevez pas les choses de la même façon. Tout ça, donc, il y a un échange qu'on peut avoir avec vous, puisque c'est votre perception d'artiste, et on a besoin de vous, voilà, pour accompagner ces nouveaux mondes. Photo suivante, c'est la même chose avec l'espace, vous voyez. Par exemple, Jean-Loup Chrétien, quand il était dans l'espace, c'est un fou d'orgue, c'est un fou de musique. Donc il faisait avec son orgue, il a réussi à amener son orgue, un petit orgue que Yamaha lui avait fait, l'amener dans l'espace et jouer des sonorités musicales qu'il n'a pas réussi à recomposer sur Terre. Pourquoi ? Parce que l'esprit est dans un système imaginaire extrêmement différent. Thomas Pesquet a ramené à son saxo là-haut. Il a besoin de jouer régulièrement donc de la musique, pareil pour l'accompagner. Et Alexis Leonov, qui malheureusement nous a quittés, Alexis me racontait, il faisait des peintures, j'ai vu ses peintures à Moscou, à la Cité des Étoiles, mais avec des harmonies de couleurs. Et il me disait, mais Jacques, je suis incapable de refaire les mêmes harmonies sur Terre, parce que la vision, la perception des choses n'est pas... la sensibilité est autre. Voilà, donc des chorégraphies aussi, de la musique, des phénomènes sonores. Voilà, donc là aussi, c'est très, très important que le monde artistique accompagne aussi cet univers spatial. Après,
Alors, vous pensez bien que tout ça m'a donné plein d'idées et qu'avec nos copains ingénieurs, astronautes et tout, eh ben, on a imaginé des projets un peu fous. Là, à gauche, on voulait offrir la symphonie de la Terre, parce que la Terre, il y a un battement de cœur de la Terre. La Terre, c'est le magma, c'est toujours les plaques tectoniques, tout ça, ça bouge. Il y a toujours des secousses sismiques. Là, à l'instant présent, vous avez des secousses sismiques. Mais nous, on ne les perçoit pas. On ne les perçoit pas, mais c'est très, très faible. Et un peu faible, c'est un euphémisme. Donc, dans différentes zones. Donc, on voulait, avec des capteurs, des sismographes, évidemment, capter cette énergie venant de la Terre, on le transformait en numérique, en système numérique et tout, et donc en code, et on envoyait ça à travers un satellite. Et où que ce soit sur la Terre, où que ce soit, il y a un lever de soleil, puisqu'on calait le satellite avec le CNES et l'ESA, vous pouviez écouter au lever du soleil, où que ce soit, au Sahara, en Amazonie, à Marseille, la symphonie du jour qui était évidemment jamais pareille. Puis après, on s'est dit, mais mince, on fait des courses, ça va te plaire, des courses à la voile, et ben on va faire des voiliers solaires. Et voilà, ça, donc on a fait le premier voilier solaire, on voulait faire une course de la Terre à la Lune, cher à Jules Verne, par voile solaire, donc avec les vents solaires, et donc avec une ligne imaginaire, évidemment. Mais tout ça, on l'a calculé avec la navette spatiale, avec les ingénieurs de la NASA et les ingénieurs du CNES. On avait fait des containers d'un mètre cube. Enfin, ce serait trop long à vous expliquer, je ne voudrais pas être trop long. Et puis, évidemment, on a imaginé, suivant les technologies, le biomimétique, un village lunaire. Et là, on est en plein dedans à l'heure actuelle. Allons-y. Voilà. Et il y a pas mal d'ingénieurs, d'architectes, de designers qui réfléchissent à faire des modules lunaires. Et on est en plein dedans à l'heure actuelle. Et il y a une équipe de Marseille qui a eu le prix de ma fondation. Bon, on en parlait tout à l'heure, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous transmettre, comme je vous disais, mais à travers ma fondation, de vous aider sur ces grands enjeux. Voilà, donc le module lunaire, qui est le prototype, est en train de se construire. Il sera exposé à l'exposition universelle de Dubaï, donc en octobre. Et là, j'aimerais qu'il y ait un partenariat. Donc, j'en ai parlé à personne, hein, même pas vos enseignants, mais je serais ravi qu'il y ait un partenariat avec vous, d'une façon ou d'une autre. Voilà, que ceux qui se passionnent pour l'espace, qui ont une sensibilité, et m'accompagne ce projet, parce que les architectes, peut-être qu'on a un point de vue. Donc moi, là, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est des ingénieurs. Je respecte terriblement les ingénieurs, puisque moi, je suis très anglo-saxon dans ma méthode de travail, c'est-à-dire pas pyramidale. L'architecte n'est pas en haut de la pyramide, on travaille en pleine collaboration. Et donc, j'aimerais qu'on en rediscute quand vous voulez. En tout cas, je suis très avenant pour qu'on en discute, et d'autant plus que c'est à Marseille. Allons-y. Photo suivante. Alors, aller dans l'espace ou aller sous la mer, soyons clairs, hein, c'est quand même pas donné à tout le monde. Il faut être sérieux, même si c'est beaucoup plus facile. Donc, je voulais que tout le monde puisse au moins voir ce monde extraordinaire du monde sous-marin. Alors, j'ai dit, mais comment ça se fait que les architectes navals, les marins, je comprends, c'est ce que j'appelle avec tendresse des aveugles de la mer, vu le passé qu'il y a entre eux, le contentieux, un marin, comme je disais tout à l'heure, qui est dans l'eau, il est mort. Mais je voulais que vous, les jeunes, vous puissiez voir justement ce monde extraordinaire, pourquoi on en parle tant, pourquoi il faut le protéger, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc j'ai imaginé mettre des yeux au bateau. Ouf, je peux vous dire que je me suis fait flinguer par les architectes navals, comme c'est pas possible. Mais c'est pas grave ça, c'est pour ça, c'est pas grave. Si on vous dit c'est pas possible, essayez d'écouter votre petite musique et continuez. Donc j'ai fait cet engin, et pour prouver, parce que je suis un peu taquin quand même, aux architectes navals que l'engin il tenait bien la mer, je suis sorti, comme vous pouvez voir là, ça secouait plus que fort, et une stabilité totale. En clair, c'est quoi? C'est une coque centrale, vous voyez, avec de grands hublots. Il y en a un à Port-Cros, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez été à Port-Cros ou à Cassis. Voilà, donc c'est comme un hélicoptère avec des ballasts, donc c'est pour ça qu'il y a ces grandes ailes. On remplit ces ballasts d'eau, ils s'enfoncent, vous voyez, et ces deux personnes peuvent observer
Donc le monde sous-marin, toujours ce clin d'œil au biomimétisme. Photo suivante. Alors je voulais aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. C'est-à-dire je voulais aller voir ces animaux en plein milieu de l'Atlantique, pas au bord du littoral, voir un peu les migrations. Et comme je connaissais grâce à ces maisons sous-marines, à ces technologies, je me suis fait un rêve fou. J'ai cassé ma tirelire, ça a été dur. Ça, c'est des aventures de folie. Mais peu importe, c'est un bateau, c'est un trimaran de 22 mètres de long, comme vous voyez là, qui est beaché, donc ça, c'est en Bretagne, évidemment, avec un marnage de 7 mètres. Mais la particularité, vous voyez, la nacelle centrale est complètement transparente. Et ça, c'est magique. J'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique avec, et vous tombez sur des animaux comme ça, et vous vous retrouvez là, avec eux, en plein milieu de l'Atlantique. C'est complètement magique. Je l'ai eu pendant 7 ans. Et j'ai fait faillite, évidemment. Ça ne peut pas être autrement. Photo suivante. Voilà. Et donc, tout ça amène que, ouf, enfin, on arrive à faire comprendre qu'il faut regarder sous la mer. Et j'ai eu une chance extraordinaire. Quand on m'a fait confiance, Jean-Emmanuel Sauvé, vous connaissez les bateaux du Ponant qui sont malheureusement au port. Et donc Jean-Emmanuel Sauvé, qui était président du Ponant il n'y a encore pas si longtemps que ça, m'a fait confiance avec Véronique Saadé et donc m'a proposé de mettre cette technologie au service de leurs nouveaux bateaux, les 6 nouveaux bateaux, donc de faire des salons sous-marins. Donc ça, ça existe vraiment, hein. Ce n'est pas une image de synthèse. Hein. Voilà, j'ai voulu déstabiliser les voyageurs dans ce monde sous-marin, les amener avec un autre univers, un autre imaginaire dans les 5 sens. Voilà, donc il y a 6 bateaux comme ça qui sont au port, équipés de ces salons sous-marins. Mais on va aller encore plus loin. Alors allons-y. Alors comme il ne faut pas arrêter l'imaginaire avec les technologies, le génie humain est là dans les technologies, et ben essayons d'aller plus loin avec que le biomimétisme est là. Donc on a imaginé un sous-marin de recherche pour 60 personnes allant jusqu'à 6000 mètres de profondeur pour la connaissance des abysses, donc c'est explorer abyssal, donc avec une technologie connue, donc possible de construire. Évidemment, c'est un problème d'investissement, bien entendu, et qui pourra aller au-dessus du Titanic, vous voyez ici, à 4500 mètres de profondeur, qui se déplace comme une sèche, mais surtout qui est fait pour étudier les dorsales atlantiques qui sont complètement méconnues, les sources hydrothermales. Alors allons-y, parce que peut-être que ça va être un peu long. Mais mon rêve ultime, la synthèse de tous ces travaux, de ce vécu sous la mer, sur la mer, mais surtout sous la mer, puisque je suis un mammifère, un mérien, c'est ces orbiteurs. Donc c'est mettre un bateau à la verticale. Alors là, inutile de vous dire que je suis passé pour un fou furieux qu'il fallait même enfermer, parce qu'un bateau à la verticale, c'est aberrant. Ben non, c'est pas du tout aberrant, ça dépend de son utilisation. Si c'est pour aller très vite de la Coupe à l'América, vous oubliez de le mettre à la verticale. Vous le mettez sur des feuilles. Et quand Alain Thébault avait proposé l'hydroptère, on l'a pris pour un fou. N'empêche qu'aujourd'hui, tous les bateaux, on est en train de mettre des feuilles. Bon. Donc là, l'idée, c'était de dériver, d'aller lentement dans les grands courants océaniques, de dériver pour comprendre cette biodiversité, ces mystères et tout, et d'être à l'écoute de ce monde prolixe et tout, et puis de faire une base comme la station ISS, de faire une base vie en saturation, où on pouvait, donc avec 18 plongeurs, enfin 18 personnes, vivre et sortir autant de fois, quelles que soient les conditions de mer, parce qu'on a fait en bassin de Carène, en Norvège, au Marine Tech, qui est le plus grand centre d'essai, un modèle au dixième, donc ça fait 58 mètres de haut, donc ça fait 5 mètres et quelques de hauteur au dixième, et on a fait toutes conditions de mer, même avec des houles, avec des creux de 10 mètres, l'engin évidemment, il est un peu comme ça, vous avez une quille de 450 tonnes, mais l'engin est très stable, même un peu trop raide, donc on a revu tout le système ici de quilles et de ballast latéraux. Voilà. Donc voilà Galatée. Alors je vous le répète trop long parce que je vous ai enlevé le film. Mais pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous envoyer. Ah ben si. Ah, vous avez mis le film. Imagine.
Imagine a silvery ship drifting with the currents at the very heart of the ocean. At the dawn of the third millennium, Sea Orbiter announces a unique expedition into the oceanic world and a new impetus for the conquest of our blue planet. Its mission: explore the ocean, still widely unknown, in order to better understand its mechanism and educate our societies regarding its critical role for the planet. Thanks to its slow drifting pace and its vast autonomy, it will allow long-term stays for a large family of explorers, continuous day and night observation of the seemingly endless wealth of marine life forms, permanent and easy access to the undersea world, allowing perfect symbiosis with the aquatic universe. All these features make Sea Orbiter the first nomadic international oceanic station wandering amidst the mightiest of gardens. The ocean. A true sentinel, arising above the main oceanic streams, it will host a permanent scientific laboratory and a unique educative communication platform, which will allow the planetary radiance of its exploratory adventure. On board this ship, and for the very first time ever, a crew of 18 will be able, and over very long periods, to live under the sea 24 hours a day, with ability to deploy a number of exploration devices which will expand Sea Orbiter's capacity to investigate further the abyss, a world of the unknown. Equipped with multiple sensors and linked with satellites, it will allow the reinforcement of scientific knowledge about the oceanic impact on the atmosphere and the planet's climate change. All tests carried out at Marintech, Europe's largest simulation laboratory, located in Norway, proved successful. The greatest storms could not affect Sea Orbiter's stability nor hinder its operations. Bearing the spirit of adventure which lives on in humanity, Sea Orbiter has been conceived to set up a new relationship between man and the ocean and develop a large education plan in order to help the future generations to better face the challenges of tomorrow. Because it is from the ocean that will be born the destiny of civilizations to come. Voilà, bon, donc je vais essayer d'accélérer, vous m'en voulez pas parce que faut pas me faire parler sur mes passions comme vous pouvez voir. Donc j'ai peut-être été un peu long, je m'en rends pas compte, hein, ça dépend de vous. Mais surtout ce que j'aimerais c'est échanger avec vous, pour moi c'est le plus important. Donc vous montrez tous mes tapis, c'est un peu prétentieux. Donc voilà, mais c'est quand même important de voir... ce qu'offre ce monde là, c'est l'UNESCO qui m'a demandé d'essayer d'imaginer une cité des océans pour les peuples du monde, une cité océanographique, donc de recherche océanographique, mais qui s'adresse à tous les pays, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de pays qui n'ont pas de rivage littoral, donc ça risque de créer des guerres, des conflits, des problèmes dans un avenir proche. Voilà, donc cette cité, j'ai voulu être fidèle à Jules Verne parce que c'est un peu l'esprit de ce que me demandait l'UNESCO, c'est-à-dire de la faire maintenant. Ce n'était pas le but de savoir si on pouvait la faire, combien elle coûtait. Ce n'était pas ça. C'était être un déclencheur. Souvent, il faut avoir des idées pour déclencher des concepts vers quoi on peut cheminer et faire autrement. C'est très important. Ça ne s'appelle pas de l'utopie, ça s'appelle souvent de la prospective. Et donc là, c'est... je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, donc Jules Verne disait tout ce qu'un homme est capable d'imaginer. Retenez bien cette phrase, tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. Donc il y a des hommes, c'est des femmes bien sûr, qui sont, leur esprit, leur imaginaire, ils veulent réaliser tout de suite, mais il y en a certains d'entre vous, si vous ne pouvez pas réaliser tout de suite, Anna, mais au contraire, c'est simplement, vous êtes des déclencheurs. Et vous permettez à d'autres, d'un seul coup, et vous allez voir avec la fondation ce qu'on arrive à faire. Bon, voilà, donc c'était pour 25 000 personnes, et énergie évidemment positive, tout ce qui est sur le développement durable, et ainsi de suite. Photo suivante. Alors, je disais tout à l'heure que il est important de... tout le monde ne peut pas aller sous l'eau, même avec un navire comme vous avez vu, l'Aquascope, ou même...
mettre un masque et tout. Donc il est important de faire à travers le monde des équipements liés à ces grands enjeux de la mer. Alors à un moment donné, on appelait ça des aquariums. Maintenant, on appelle ça des centres de la mer, des centres scientifiques et pédagogiques liés à la mer. Alors j'ai eu la chance de faire les différents concours qui ont eu lieu dans différents pays, et notamment en France. À gauche, en haut, c'est Océanopolis à Brest, vous voyez. Là, à droite et en bas, c'est Nausicaa, Boulogne-sur-Mer, qui existe. C'est un bâtiment qu'on vient de livrer, voilà, avec une architecture, toute une symbolique. Bon, toujours pareil, un côté iconique, symbolique, lié à la bio-inspiration. Voilà. Photo suivante. Voilà d'autres projets. Alors, celui qui est en haut, vous voyez, il n'y a pas d'échelle. Pour moi, un projet, c'est par exemple le musée de la Polynésie française, en haut à gauche, qui est terminé. Et on l'inaugure le 1er juillet. Malheureusement, je ne pourrais pas y aller à cause du coronavirus. Mais vous voyez, ce musée fait 550 mètres carrés. C'est rien qu'en billet d'avion, j'ai bouffé mes honoraires, vous pensez bien. Mais quel plaisir, quelle passion d'avoir imaginé ce petit bijou comme un bijou, vous voyez, entre la tradition polynésienne que j'ai voulu, les matériaux, et puis c'est comme des pétales de coquillages qui sont les panneaux solaires. Voilà, donc on peut, avec très peu de choses, faire des choses cohérentes. Là, c'est un autre musée en Inde, à Kochi, où je me suis inspiré de la feuille, vous voyez, de grande, parce que là, il y a une architecture là-bas ancestrale aussi, mélanger l'histoire et le futur. Et puis ça, c'est un musée que je viens de gagner à Qingdao, qui est la capitale de la mer en Chine, un petit musée qui est directement dans la baie, donc sur l'eau, qui est sur pilotis, puisqu'il y a 5 mètres de profondeur, donc je l'ai fait sur pilotis, on ne pouvait pas le faire flottant, ce qui aurait été l'idéal, mais déjà sur pilotis, c'est pas mal. Voilà, photo suivante. Alors ça, c'est un concours qu'on vient de rendre à Shenzhen. C'est le plus grand centre de la mer lié la Blue Society, la Blue Economy dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, les Chinois, eux, ils voient grand puisque c'est fait pour 15 millions de visiteurs par an, l'équipement. Donc c'est phénoménal. Alors là, c'est du lourd parce que là, on est contre... Zahadi, Foster, piano. Bon, c'est pas grave, c'est déjà fascinant et on a la fierté de participer à ces grands enjeux, à ces grands concours internationaux. Alors, photo suivant, on va aller vite peut-être. Voilà, alors ça, c'est, je voulais vous le présenter parce que c'est un projet qu'on a gagné en Alexandrie, le musée d'archéologie sous la mer d'Alexandrie. Je crois qu'il y a le film, comme ça, ça va aller plus vite. Vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Ça, c'est une aventure incroyable. Je ne sais pas s'il est en anglais ou en français. Alors, j'ai décomposé le musée en deux parties. Vous voyez, le musée sur la corniche. Voilà, une grande stèle, une partie du musée. C'est à côté de la bibliothèque d'Alexandrie, donc dans la baie. Vous voyez, vous avez un vélum où j'ai mis toutes les écritures du monde, enfin, avec la course du soleil, on raconte l'histoire du lieu, puisque là, il y a eu une secousse sismique, il y a le palais de Cléopâtre, vous voyez, en haut, donc il y a les différentes langues qui se projettent sur ce bassin, où on a, avec Godio, enfin, c'est Godio qui a sorti les statues de Pharaon et de la déesse de l'eau, vous voyez, un peu comme le Guggenheim, on a repris cette idée. En spirale, on descend progressivement, donc sous la mer, avec différentes salles. Et là, vous avez un tunnel. On a trouvé toutes ces statues dans la baie. Hein, et on les a, après les avoir évidemment traitées spécialement avec des produits spéciaux, on les a remis dans des colonnes donc d'eau de mer pour les conserver. Les visiteurs donc longent cette galerie pour aller au pied du palais de Cléopâtre à moins 6 mètres. Voilà, et les technologies à l'heure actuelle nous permettent complètement de créer ce lagon artificiel. Vous avez toutes ces statues qui existent. J'ai plongé là, je peux vous dire que c'est incroyable d'émotion. Alors, bien sûr, la visibilité n'est pas bonne. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce bassin ce lagon semi-naturel pour filtrer une partie de l'eau, puisque la baie est très polluée.
et c'est le delta du Nil. Voilà, et donc on a toutes les différentes salles immergées autour. Et on voit les archéologues continuer à travailler sur des statues qui sont toujours là. Voilà, des stèles. Ou alors, vous allez voir, là, moi, pour moi, ça a été une émotion de me retrouver face à un pharaon, donc sous l'eau, par moins 6 mètres seulement. Voilà, et donc, quatre voiles de felou qui sont la symbolique donc, des bateaux du Nil et qui sont un peu les quatre points cardinaux qui rentrent en résonance parce que le phare d'Alexandrie, c'était la septième merveille du monde. Donc, on a voulu retrouver cette symbolique. Photo suivante, comme ça, on va aller plus vite. Voilà, bon, alors là, on va être très rapide, donc on travaille aussi beaucoup sur ce qu'on parlait tout à l'heure, l'aménagement du littoral, les grands enjeux littoraux, et donc c'est des projets qu'on nous a demandé à Dubaï, à Abu Dhabi, dans différents coins, de trouver des architectures toujours bio-inspirées, et essayer de voir comment s'intégrer au milieu sans le détruire. Photo suivante, donc avec des hôtels sous-marins. Donc, c'est des choses qui arrivent, des maisons flottantes à The World avec des visions sous-marines. Donc, on a fait tout un ensemble de villages ou alors un restaurant flottant, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vraiment ce rapport à l'eau qui est grandissant, qui est assez extraordinaire. Photo suivante. Voilà, un des grands projets alors, sur lequel on a travaillé, c'était l'extension de Monaco sur la mer. Où le prince avait demandé à toutes les équipes de vraiment tenir compte de l'impact sur le milieu. Alors après, bon, ils sont en train de faire une partie. Le projet a été abandonné, malheureusement. Nous, on avait tout été sur pilotis. Au centre, on avait la Venise des temps modernes sur pilotis, avec des pieux de 10 mètres de profondeur et puis des digues de protection qui captaient l'énergie de la houle et puis des hydroliennes sous l'eau pour les courants. Et donc, il y avait 80 mètres de profondeur, la gare maritime avec l'université, l'opéra. Voilà, malheureusement, ce projet a été abandonné pour différentes raisons. Et maintenant, ils sont en train de remblayer là et de faire donc, des structures mi-immergées, mi-enremblées. Bon, pourquoi pas, je n'ai pas à critiquer mes confrères. Photo suivante. Voilà, mais surtout, on travaille sur la problématique, comme je vous disais, l'approche de la problématique de la montée du niveau des océans, et ce qui est complètement différente suivant les régions du monde, les situations géopolitiques, économiques, culturelles. Aux Maldives, c'est pas la même chose qu'en Hollande, où ils ont déjà une culture, un savoir-faire, une économie forte. Voilà, donc dans un lagon, on avait imaginé, il y a 4500 Polynésiens qui vivent dans ce lagon, donc de trouver parce que la tortue est le symbole de cette région, donc de retrouver des cases flottantes et de faire tout un cheminement. Voilà, mais c'est une première approche. Il faut garder ces réfugiés climatiques, c'est quand même 250 millions. 250 millions de réfugiés climatiques. En 100 ans. Donc on a 4 générations pour préparer ce combat. Mais 250 millions, c'est pas vous que... On va pas rentrer dans la politique, dans ce débat. C'est un autre débat, mais quand on sait qu'il y a même pas 1 million de réfugiés réfugiés dans la Méditerranée, et ça pose de graves problèmes, c'est pas simple à analyser, à résoudre. Mais là, c'est 250 millions. Donc tous ces peuples de 250 millions, de ceux qui ne peuvent aller nulle part ailleurs. Moi, je ne vous parle pas des réfugiés climatiques de la Hollande, ou de Marseille, ou de la Camargue, parce que la Camargue, ça va poser un problème. Parce que là, ce n'est pas des réfugiés climatiques. Voilà. Donc il est temps que les ingénieurs, progressivement, sans catastrophie, je vous disais, sans non plus imposer, il faut faire attention, il ne faut pas devenir des ayatollahs de l'environnement. Moi, je suis un écolo. Pas un écolo pur et dur, parce que c'est pas simple. C'est pas simple de dire, on peut pas imposer des systèmes par rapport à sa propre vision. On peut partager, insuffler, provoquer, mais le dialogue est toujours préférable à la rupture. Parce qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut y croire, qu'on a tout ce qu'il faut, que ce qui vient de nous arriver au niveau mondial avec le coronavirus, eh ben, c'est une
j'ai conscience, parce que je suis un pragmatique, que c'est catastrophique à des tas d'égards, mais c'est une chance pour vous. C'est une chance incroyable pour vous, car vous allez rebondir. Comme, malheureusement, de dire ça aussi, c'est triste de dire ça, mais après guerre, après toutes les guerres, il y a eu des rebonds. Et c'est les jeunes qui rebondissent, c'est pas les gens de ma génération. Voilà, c'est à vous de prendre le relais. Allons-y. Alors, comment prendre le relais? J'espère qu'on arrive vite, là. Allons-y. Oui, donc, allons-y. Ça, c'est différents projets en Chine. On ne va pas s'attarder. Voilà, ça, c'est le dernier concours qu'on a gagné en Chine d'un bâtiment qui fait 1,2 km de long avec un palais des congrès de 10 000 places, une tour de 370 mètres de haut. Mais vous voyez, avec des racines, il y a un parc. Donc, on est parti complètement sur cette bio-inspiration d'intégration. Donc, voilà, c'est... Voilà notre démarche. Alors, ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que le langage de l'eau, la sensibilité, vous voyez, à l'eau, c'est quelque chose d'irremplaçable. Et donc, on a amené des enfants en Corse dans ces cabanes sous l'eau, vous voyez, écouter de la musique sous l'eau. Vous voyez, cette petite fille, elle avait 6 ans, et elle arrive là, elle écoute le chant des baleines sous l'eau. Donc, elle est venue en bouteille, hein. On l'a fait plonger en bouteille, vous voyez, des petites bouteilles on avait. Et c'est extraordinaire. Après, bon, on a en scaphandre à ancien pour montrer entre... Elle a accepté d'enlever sa bouteille, de sortir, vous voyez, en apnée. Et donc, c'était pour eux merveilleux parce que non seulement ils pouvaient écouter de la musique, mais il y avait des biologistes qui venaient leur expliquer cet environnement. Et tous ces enfants, du coup, sont très marqués par ce que ça représente. Voilà, c'est le côté très pédagogique. Allons-y. Donc, ce côté pédagogique de transmission, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il faut rester modeste quand même dans la vie. Et c'est pas parce que, bon, au moins d'être académicien, ça m'a permis une chose merveilleuse, au moins ça. C'est le mérite, c'est de faire une fondation. Donc, l'Institut de France m'a fait une fondation. Donc, j'ai une fondation qui porte mon nom. Pour vous aider, voilà, pour vous transmettre, vous aider, pour remettre des prix. Et on remet des prix sur un certain nombre de problématiques liées évidemment aux océans, aux grands enjeux climatiques, aux grands enjeux environnementaux, mais la conquête spatiale et tout. Et à l'heure actuelle, tenez-vous bien, c'est grâce aux réseaux sociaux, j'ai une idée simple, créer, alors il y a des ambassadeurs prestigieux comme Bertrand Piccard et tout ça, qui sont des amis ou Jean-Luc Chrétien, peu importe, qui m'aident, ou le prince Albert, qui est le président de ma fondation. Mais il y a aussi, j'ai eu l'idée de vous honorer, c'est-à-dire de mettre des juniors ambassadeurs dans plein de pays. 135 pays sont représentés. 10 000 jeunes comme vous, ça nous pose de graves problèmes d'organisation. Donc, rendre. Mais du coup, ça nous fait une banque mondiale d'un imaginaire vers quoi on pourrait tendre. Et on voit apparaître d'une année sur l'autre des projets où, du coup, vous regardez ce qui s'est fait avant, vous l'analysez, vous allez plus loin, et ça fait boule de neige comme ça. Et c'est extraordinaire, ce travail. Et l'imaginaire, je suis complètement, mais là, je suis sincère, je suis complètement dépassé par votre imaginaire. Et je suis très heureux d'être dépassé. Voilà. Donc, on peut voir peut-être rapidement certains des projets, comme celui-ci. Alors là, c'est le dernier concours, c'était une Slovaque qui a gagné. Là, c'est une équipe de Marseille, vous voyez, qui a gagné aussi, différentes thématiques. Ça, c'était pour les pingouins, donc la fonte des glaces. Là, c'est un projet à Mexico. Là, c'était un projet d'une station de départ pour l'espace. Là, c'est un projet, vous l'avez deviné, sur Mars. Là, c'est sur la Lune, donc des structures gonflables, donc tout plié. Ça, c'est le fameux projet dont je vous parlais tout à l'heure, Marseillais. Ça, c'est le projet lauréat sur la base lunaire. C'est une base, la sous-marine. Ça, c'est un jardin flottant, mais qui est en même temps un cimetière.
Alors, il faut savoir que là, vous voyez juste des images rapides, mais à chaque fois, ce sont des équipes pluridisciplinaires. J'engage tous ces jeunes, enfin, je vous engage à travailler avec des océanographes, des biologistes, des ingénieurs, des artistes, ainsi de suite. Donc, cette transversalité, vous voyez. Et c'est des études, vous voyez juste une image là, mais à chaque fois, c'est des études de 6 mois à 1 an. Les projets ne se font pas en 15 jours. Donc, c'est vraiment des études très approfondies. Voilà, là, c'est la problématique des deltas, vous avez vu. Mais c'est fabuleux d'imaginaire et surtout de réalisme pour certains projets. Alors, il y a des projets qui sont faits pour être réalisés assez vite, comme la base lunaire, mais il y a d'autres projets, c'est pour dans 100 ans. Donc, revenir à l'esprit de Jules Verne, que c'est qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes. Et des femmes, il avait oublié les femmes, hein. D'autres hommes seront capables de le réaliser, voyez-vous, voilà. Une banque mondiale des données de l'ADN de la Terre. Vous voyez l'idée qu'il faut avoir de faire l'ADN de la Terre, toute l'ADN de la Terre, et de faire une banque de données pour le futur de l'humanité. Là, c'était pour ramasser les plastiques et faire des Legos. Là, c'était en Vietnam. Là, c'était New York. Voilà New York, dans 100 ans. C'est exact, hein. Ce sera New York, ça. C'est une étude qui a été faite par toute une équipe de jeunes américains du MIT. Donc, ils essayaient de protéger certains bâtiments emblématiques, donc vivre en rapport. Parce que c'est vivre sur l'eau, c'est vivre autrement, c'est accepter les contraintes du milieu comme on accepte les contraintes terrestres, ainsi de suite. Donc voilà, rapidement, et encore une fois, mille excuses, j'ai peut-être été long. Et maintenant, je vous écoute alors. Non, peut-être qu'on va arrêter. Non, non. Ne jouez pas au timide parce que je suis sûrement, contrairement à ce que vous pensez, beaucoup plus timide que vous. Et quand j'étais étudiant, je n'osais jamais poser une question et tout. Je me mettais au fond de la classe où il y avait le radiateur, les cancres. Non, pour être sérieux, faites-moi plaisir, osez me poser des questions, quelles qu'elles soient. C'est intéressant d'en discuter, d'en échanger. On est là pour ça. Donc même ceux qui sont un peu plus... Les plus grands, disons, vous pouvez aussi poser des questions. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est une question qui fait moins rêveur. Mais par rapport au projet d'observation de la vie sous-marine, comment est-ce que vous conseillez, ou est-ce qu'il faut conseiller, du coup, l'impact des matériaux ou des structures sous la vie sous-marine, sur la vie sous-marine plutôt, ou c'est une question qui est traitée dès le début du projet, pendant le projet, ou pas du tout, je ne sais pas. S'il y a un impact sur la vie sous-marine en implantant les structures... L'impact par rapport à la faune, vous voulez dire ? Ah ben forcément, dès que l'homme se met dans un milieu, quel qu'il soit, il y a un impact. Donc il faut minimiser l'impact, le comprendre et voir la répercussion par rapport à l'éthologie, c'est-à-dire le comportement des animaux. Voilà, donc c'est vrai que, par exemple, quand moi j'ai fait ces expériences, 12 expériences d'habitat sous la mer... moi, je suis plongeur, tout plongeur peut vous dire, les animaux, ils sont très craintifs mais curieux, rarement agressifs. C'est quand vous mettez la main malencontreusement dans un trou, il y a une murène. Mais les requins, tout ça, ils sont rarement agressifs. Si, quand ils voient, ils ont l'impression à la tombée de la nuit, ils voient une planque de surf, ils pensent que, voilà, que c'est un poisson. Enfin, donc avec l'incidence, il y a des phénomènes... et qui fait de réverbération, clac, il chope le truc, mais ce n'est pas l'humain qui cherche. Donc c'est clair, donc pas d'agressivité. Et nous, quand on faisait ces expériences d'habitat sous la mer, ce qui était merveilleux, c'est que après 24 heures, très très vite, 24 heures, maximum 48 heures, le comportement des animaux n'était plus du tout le même par rapport à l'humain, parce qu'on ne chassait pas, hors de question d'avoir un fusil harpon. Et donc, les animaux devenaient familiers. Et même Cousteau, vous n'avez pas vu Le Monde du Silence, mais il y avait le Jojo le Mérou. Et quand ils ont été pendant très longtemps dans une zone à faire des études et tout, il y avait un Mérou qui était tellement familier qu'il venait. Et c'est vrai, moi, c'est comme des poulpes. Moi, je jouais avec des poulpes, mais ils viennent quand ils observent, là, vous êtes à travers vos hublots, là, sous l'eau,
Et puis, ils voient qu'ils ne sont pas idiots. Hein. C'est comme le chien, là. Ils sentent bien quand vous voulez aller le promener, hein, que vous allez sortir. Ils sentent tout de suite, ils commencent à prétiller. Ben, les poules, c'est ça. Mais je ne pouvais pas le croire. Donc, je menais ma combinaison. J'étais à peine arrivé dans le sas. Il y avait le poule qui était là. Tu ne peux pas le croire. Eh bien, si. Et si c'était une personne qui n'était pas de notre équipage, parce qu'on avait donc des gens qui venaient par sécurité et tout, régulièrement, tous les jours, et eh bien, les gens qui venaient, qui ne vivaient pas sous l'eau, le poule, ils ne venaient pas les boire. Non, non, les animaux sont très, très familiers, très curieux, très, très joueurs. Et puis, en même temps, bon, s'il y a beaucoup de prédateurs, hein, c'est la vie du monde sous-marin. Il ne faut pas non plus être naïf, hein, je suis d'accord. Alors, je n'ai pas répondu tout à fait à votre question. Donc, les matériaux, eh ben, il faut, là, c'est pareil, il faut accepter. Parce que si vous mettez des antifouling, c'était peut-être le sens de votre question. Ouf, je l'ai compris. Et donc, non, il n'est pas question de mettre des antifouling. Donc, vous avez deux solutions suivant le type de matériaux. Donc, si vous utilisez des bétons de nouvelle génération, d'ailleurs, hein, il ne faut pas voir le béton d'une façon négative uniquement. Eh bien, au contraire, vous accentuez l'agrégation, vous voyez, et qui fait que ça devient des niches de nourriture pour toute la chaîne alimentaire et que ça fait ce qu'on appelle des récifs artificiels. Voilà. Alors, la question se pose, en effet, dans toutes ces maisons sous-marines ou ces structures, est-ce qu'il faut laisser ces phénomènes d'agrégation ou est-ce qu'au contraire, il faut les enlever pour avoir... voilà. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser de l'inox. Et donc, c'est très poli. Donc, vous pouvez très bien enlever facilement, par exemple, le problème de ces baies transparentes que vous avez vues en polycarbonate. C'est que si vous ne les nettoyez pas, donc ça c'est l'avantage quand vous êtes sous l'eau, vous êtes la Conchita. Moi je sortais pour vous amuser, hop, hop, on fait les huées. Voilà, la vitre, hop, on nettoie. Mais si vous ne le faites pas, vous avez tous les coquillages, enfin plutôt les huîtres, des petits naissins d'huîtres qui se mettent, et alors après c'est difficile, ça raye, et ainsi de suite. Donc tout dépend de la procédure, tout dépend, est-ce que vos structures sont faites pour rester habitam internam. En général, jusqu'à maintenant, ces structures sont faites pour ressortir de l'eau régulièrement pour des questions de maintenance, d'entretien et tout. Mais quand on parle de, vous avez vu peut-être certains dessins d'hôtels sous-marins, à ce moment-là, il faut laisser les structures et ne pas les faire en inox, c'est absurde. Et donc à ce moment-là, il faut plutôt le béton et laisser ces agrégats, ça crée des jardins quand vous sortez sous l'eau. Et vous pouvez avoir, du coup, ça change au fur et à mesure des années. La vie vient autour de votre chambre sous-marine, de l'hôtel sous-marin, du restaurant sous-marin. Donc voilà, ça dépend des programmes que vous avez. Mais toujours avec le respect de l'environnement. Hein. C'était ça le sens de votre question. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à la structure qui ressemble à un hippocampe. Pour l'être humain, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour se déplacer dans l'eau, à part de prendre un bateau. Et une surface, on va dire, plate, ou voilà, quoi, qui ressemble à un bateau. Mais dans l'océan, dans la mer, est-ce qu'on peut retrouver des animaux, justement, ou des mammifères qui vont se déplacer, justement, droit, en étant droit face à... Genre, en gros, ils vont se déplacer droit, quoi, en étant debout. Des mammifères qui... Ouais, un peu comme l'hippocampe. Ah ben, hippocampe, vous avez vu, c'est ben oui, ça. Mais à part l'hippocampe... Ah oui, il y a des poissons. Réfléchi. Il y a un certain nombre d'espèces. Non, les mammifères, non. En général, ils sont à l'horizontale. C'est très rare qu'ils se mettent à la verticale. Par jeu, vous avez dû voir des films de dauphins. Alors si, les cachalots, si, si, je dis une bêtise, pas les dauphins. Oui, oui, absolument. Vous voyez, heureusement que vous me posez la question, parce que les cachalots se déplacent à la verticale. Hop, hop, ils plongent, bien sûr, dans ce sens-là, mais les cachalots, ils se déplacent, ils font, donc parce qu'ils font, chaque année, ils changent leur code pour la migration des cachalots, donc pour repérer le troupeau, et ils se mettent toujours à la verticale et ils dérivent dans les grands courants océaniques, voilà, que ce soit du côté du Pacifique ou que ce soit en océan Indien, peu importe, ou même en Atlantique, dans le Gulf Stream, et ils se mettent à la verticale. Ils dorment dans la verticale. Oui, 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 en plus, ils dorment, absolument, en plus, très juste, ils dorment à la verticale, ce sont des mammifères, donc ils ne sont pas en surface, hein. Donc, ils sont capables de rester
plusieurs heures en apnée. Et il plonge à 2000 mètres de profondeur. Et quand il remonte complètement à la verticale. Et en effet, tu as raison, il dort à la verticale et il dérive à la verticale. Ils sont plus souvent à la verticale qu'à l'horizontale. Quand ils se mettent à l'horizontale, c'est simplement pour accélérer la migration. Mais pas, même pas pour la chasse, puisqu'ils chassent. Voilà. Et alors, il y a d'autres espèces de poissons. Je ne sais plus comment ils s'appellent, je n'ai pas de mémoire. Moi. C'est terrible, je n'ai pas la mémoire. Mais en forme de couteau, vous n'avez jamais vu ça en forme de couteau, c'est ça, vous n'avez pas le nom. Et qui se déplace comme ça, pareil à la verticale. Eh bien, il y a une stabilité. Le cachalot, s'il reste à la verticale, c'est que vu le poids, parce que nous aussi, on a un poids énorme, donc la stabilité est beaucoup plus grande. Les bouées, c'est le bouchon du pêcheur, c'est pas idiot, hein, c'est vertical. Un bateau qui reste, si vous voulez faire une dérive avec un bateau, c'est complètement absurde. Pourquoi ? Parce qu'un bateau, c'est fait pour aller rester dans un port ou aller d'un port à un autre, donc d'être en mouvement. Donc la carène, elle est étudiée par rapport à ce que vous recherchez du bateau et de sa charge utile et du déplacement de... Voilà, donc c'est vrai qu'à l'horizontale, c'est mieux. On s'aperçoit que maintenant, sur feuille, c'est encore mieux. Mais un bateau que vous laissez dériver dans les courants, c'est effrayant. Même s'il y a une toute petite houle, à l'époque où il y avait les bateaux phares, les mecs, ils étaient solides pour vivre à bord pendant 2 mois sur des bateaux qui étaient en point fixe et qui restaient comme ça. Et le roulis, le tangage, le roulis, le tangage, le roulis, le tangage, et bien ils buvaient de bons coups pour passer le temps. Donc, c'est orbitaire, a une stabilité extraordinaire. C'est la meilleure façon, d'ailleurs, la preuve, c'est que Jean-Louis Etienne a suivi cette idée. Quand je lui ai proposé de faire cette idée, il l'a suivi. On a un petit souci logistique. On va continuer l'échange tranquillement sur la terrasse pour profiter aussi un peu de l'extérieur avec les étudiants. Et puis pendant ce temps-là, ils vont enlever des tas de matériel électrique.